De faire un triomphe à Daniel Mazzoni, à Jean-Marc Furlan, aux joueurs qui nous ont fait rêver dans une saison qui restera dans l'histoire. Je veux dire que la ville de Troyes est reconnaissante éternellement, qu'on aime le foot ou pas, rien ne remplace le foot. Ce club est lié à l'histoire de la ville. Les joueurs de cette année écrivent une ligne magnifique pour eux comme professionnels et sublime pour l'histoire de la cité. Je veux dire également que nous les recevrons demain. Et pour ceux qui, comme moi, aiment le foot depuis toujours, qui tout gosse allait au taf, accompagnant mon père de la grande époque des Verts où il y avait Diallo, où il y avait Carlos Acuña, eh bien le supporter que je suis parmi tous les autres et qui se sont succédés et qui ont admiré les joueurs sur le terrain, cette saison marque l'histoire aussi de la Ligue 2. Vous êtes la deuxième équipe du plus haut résultat confondu avec 78 points derrière Lille en 30 ans. L'année prochaine, on sera là comme toute la saison passée, du premier jour de la saison du 8 août jusqu'à la fin de la saison, pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous supporter, pour vous soutenir, pour vous aider à grandir pour le club et à valoriser notre cité. Merci à l'Estac, merci aux joueurs. Bonne fête à tous. Et vive les Sardines. La saison prochaine, nous garantit qu'on aura une équipe
qui ne sera peut-être pas dans les tops des premiers, mais qui ne sera pas ridicule dans le championnat. Donc, je vous donne rendez-vous déjà cette nuit, demain midi, et la saison prochaine, je suis garanti que vous ne serez pas déçus. Et merci à vous tous, merci d'être présents, ça fait vraiment chaud au cœur, et on compte sur vous la saison prochaine.